Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. Une émission produite par des chrétiens évangéliques, un programme qui a pour but de rehausser le caractère noble du vrai christianisme vécu. Aujourd'hui, je vous ferai part du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était Dieu s'est référé continuellement, constamment aux écrits de l'Ancien Testament, donc à la Bible. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même reconnaissait la véracité et l'autorité des Saintes Écritures, qu'en est-il pour nous? Peut-être que vous vous demandez, mais comment croire avec tout ce qui arrive dans le monde aujourd'hui? Comment Dieu peut-il permettre toute cette souffrance dans le monde? Eh bien, il nous fait plaisir, justement, de vous offrir une brochure qui porte ce titre. Comment Dieu peut-il permettre cela? Et nous avons aussi un Nouveau Testament à vous offrir, si vous ne possédez pas déjà le Nouveau Testament, l'Évangile. Dans ce livre, « Comment Dieu peut-il permettre cela? », il y a toutes sortes de statistiques qui sont données au début. On lit en première page des journaux une catastrophe aérienne fait 64 morts, un nouveau tremblement de terre, un accident au fond d'une mine, et ainsi de suite. Ne manquez pas d'appeler pour faire la demande de cette brochure. Avez-vous la solution aux problèmes de l'humanité? Quelles sont vos questions, vos remarques, vos opinions? Jésus est vie et lumière. Le trio de Granby est de retour avec nous. Il est composé de Jacques Whitney, de Claude Charest et de Réal Larac. Et ils vont nous parler de Jésus. Leur chant est intitulé « Tu es vie et lumière ». Nous les écoutons. Merci beaucoup pour ce message. Jésus-Christ est vie et lumière. C'est lui le Fils de Dieu. Je vous rappelle que nous vous offrons une brochure intitulée « Comment Dieu peut-il permettre cela? » C'est un cri de désespoir que bien des gens crient parce qu'on trouve que c'est injuste tout ce qui arrive dans le monde aujourd'hui.
surtout lorsque des petits-enfants sont impliqués. Alors, demandez cette brochure et vous aurez la réponse du Seigneur, de Dieu lui-même. Comment Dieu peut-il permettre cela? Et si vous ne possédez pas une copie du Nouveau Testament, nous vous l'offrons sans frais et nous vous prions de la demander durant l'émission. Les numéros qui paraissent au bas de l'écran continuellement sont vos numéros à vous. Donc, servez-vous-en dès cet instant, sans délai. Comment Jésus a-t-il eu recours aux Écritures? Pour poser la question différemment, pourquoi Jésus a-t-il eu recours aux Écritures, lui qui était l'auteur des Écritures? Premièrement, pour expliquer la différence entre la vraie et la fausse adoration. Le Seigneur dit lui-même, en parlant du peuple de son temps, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il dit encore, au verset 7 de Marc 7, « Mais c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Jésus leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Les gens du temps du Seigneur Jésus-Christ, il y a presque 2000 ans, n'est-ce pas, n'étaient pas tellement différents des gens de notre époque. Le cœur n'y était pas. Ces gens étaient beaucoup plus attachés à l'enseignement humaniste. Ils étaient plus respectueux de la tradition que des saintes Écritures. C'est tellement facile, c'est trop facile de se laisser influencer, de se laisser séduire par les traditions, ou d'y rester attaché et de faire fi de ce que Dieu dit dans les saintes Écritures. C'est facile, trop facile de se laisser séduire par les idées nouvelles qui sont véhiculées aujourd'hui dans notre société. C'est beaucoup trop facile de se laisser séduire par un orateur habile, par toutes sortes de théories habilement conçues au lieu de se fier à la parole de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il recours à la Bible, à la parole de Dieu? Eh bien, la deuxième raison, c'est pour répondre à une question difficile quelquefois. Souvent, les gens de l'époque du Seigneur Jésus-Christ ont essayé de l'acculer au pied du mur, de lui poser des questions difficiles, de l'embêter. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur des Saintes Écritures, a eu recours à la parole de Dieu. Il l'a citée. Je vous rappelle, même lorsque le Seigneur a été tenté, pendant 40 jours dans le désert, il a jeûné. Et Satan est venu se présenter au bout de 40 jours auprès du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur aurait pu se défendre lui-même. Il était Dieu. Il est Dieu. Il aurait pu répondre à Satan, il aurait pu le confondre. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Et ça me frappe. Et j'en suis content aujourd'hui, j'en suis réjoui. Il me démontre comment nous devons agir, comment nous devons nous aussi avoir recours à la parole de Dieu qui est puissante, qui est vie. Le Seigneur Jésus-Christ a cité la Bible à Satan lui-même. Et lorsqu'on lui posait des questions difficiles, le Seigneur Jésus-Christ a eu recours à la parole de Dieu. Eux, les gens, les contemporains du Seigneur Jésus-Christ qui auraient dû savoir la réponse est dans la Bible. Ils auraient dû vérifier. Le Seigneur Jésus-Christ nous réfère aux Écritures, à la parole de Dieu, non pas à nos arguments personnels. On peut s'argumenter, on peut s'obstiner, on peut essayer de gagner un argument, mais ça ne vaut pas cher. Dieu veut que nous citions la parole de Dieu. Dieu veut que nous ouvrions ce livre et que nous puissions dire avec autorité, « Ce n'est pas moi qui le dis, mais Dieu dit dans l'Écriture telle ou telle chose. » Et sa parole est puissante. Elle est comme une épée à deux tranchants. Elle répond aux besoins les plus profonds, les plus secrets, les plus intimes, les plus vrais, les plus authentiques du cœur de l'homme. Et le Seigneur a eu recours à la parole de Dieu. Jésus leur répondit, « Vous vous trompez. Et savez-vous pourquoi?
parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » C'est comme si Jésus nous disait, « Lisez les Écritures, connaissez les Écritures, et vous connaîtrez la puissance de Dieu. » Le Seigneur nous renvoie à la parole de Dieu. Et si vous voulez lire ce que je viens de vous transmettre, c'est dans l'Évangile de Marc, le chapitre 12 et le verset 24. Pourquoi Jésus a-t-il recours aux Écritures? Une troisième raison, c'est pour éviter de s'engager dans une discussion avec souvent un interlocuteur manquant de sincérité. Le Seigneur nous a laissé un modèle infaillible. Il nous a dit d'avoir recours à la Bible. Mais comment avoir recours à la Bible si on ne la lit jamais? Si on n'ouvre jamais ce livre, on n'aura aucune réponse à donner. Jésus nous a laissé un exemple frappant. Il avait recours aux Écritures lorsqu'il se trouvait en face d'un homme ou d'une femme, d'un interlocuteur qui voulait se moquer de lui ou qui manquait de sincérité. Écoutez bien, un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? » C'est une très bonne question. Jésus lui dit, écoutez bien, « Qu'est-il écrit dans votre loi? » Ou « Qu'est-il écrit dans la Bible? » « Qu'est-il écrit dans les Saintes Écritures? » Il renvoie son auditeur, son interrogateur à la parole de Dieu. Et le Seigneur ajoute, « Comment la comprends-tu quand tu la lis? » Jésus le réfère à la Bible, à la parole de Dieu. La Bible est comme une carte routière. Savez-vous, je vais vous confier un petit secret qui ne sera plus tellement un secret. Quand je vous aurai confié ça, là, vous pouvez l'entendre, ce que je vais vous dire. Je fais un drôle de rêve de temps en temps. Et je le fais souvent. Ça vous arrive, vous aussi, de faire des rêves? Souvent, le même rêve. Moi, je fais toujours un rêve. Je me perds dans mon rêve. Ça peut être à pied, à bicyclette ou en automobile. Ou même, des fois, j'entre dans une maison, puis je me perds dans la maison, dans les pièges. Je ne trouve plus la porte de sortie. Ou ça peut être une école ou un hôpital, et je n'arrive plus à me retrouver. Je suis toujours sur le mauvais étage, et puis je suis perdu dans mon rêve. Et dernièrement, je me suis retrouvé. Et j'ai trouvé une sorte de signification à mon rêve. Je veux l'utiliser seulement comme une illustration. C'est que dans mon rêve, j'étais perdu. J'étais dans une ville et je voyais la rue. Je voulais me rendre à une certaine rue. Je la voyais, mais je n'arrivais pas à me rendre à cette rue-là. Il y avait quelque chose qui barrait la route. Et voici comment j'ai trouvé la bonne route. Il y avait un temple. Il y avait une église. Une sorte de sanctuaire, une chapelle. Et je savais qu'à l'intérieur de cette église, de cette chapelle, on respectait la parole de Dieu. On respectait le Seigneur Jésus-Christ. Et tout à coup, je me suis introduit à l'intérieur de ce sanctuaire, de ce temple, et j'ai marché. Il y avait une ambiance, il y avait une paix. Je me sentais là, retrouvé. Et puis, de l'autre côté, c'était la bonne rue que je recherchais. Et quand je me suis réveillé le lendemain, je me suis dit, ça veut dire, ce rêve-là, que lorsqu'on est perdu dans la vie, pour le vrai, perdu pour le vrai, pas dans un rêve, lorsqu'on est réellement perdu, lorsqu'on a perdu la route, lorsqu'on ne sait plus quel chemin prendre, Jésus a dit, « Je suis le chemin. » Jésus a dit, « Je suis la vérité. » Jésus a dit, « Je suis la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Jésus nous fait retrouver Dieu lorsqu'on vient à lui. C'est lui le chemin. Si nous sommes perdus, si vous êtes perdus, si vous vous dites, il y a quelque chose d'autre à la vie que ce que je vis maintenant, oui, certainement, c'est Jésus. Une autre raison est la plus importante pourquoi Jésus a recours constamment aux Écritures. Pourquoi Jésus a-t-il cru qu'il fallait qu'il aille jusqu'à la croix, qu'il prenne la place d'un meurtrier, de Barabbas, qui nous représentait tous, en effet, la croix du centre, parce que les prophètes avaient écrit que Jésus-Christ souffrirait la mort de la croix. Jésus a dit, « Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est-à-dire à la croix, j'attirerai les hommes à moi. » Par ces mots, Jésus indiquait de quel genre de mort il allait mourir.
Croyez donc en la lumière, Jésus dit, pendant que vous l'avez, afin que vous deveniez des hommes de lumière. C'est écrit dans Jean, le chapitre 12. Jésus est lumière. Et voici ce que Jésus nous dit encore concernant les Écritures. Écoutez bien, Jésus dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail de la loi ne seront supprimés. On peut vraiment avoir confiance dans ce livre, dans la parole de Dieu. Jésus dit, le plus petit détail ne sera pas supprimé, et cela jusqu'à la fin de toute chose. C'est écrit dans Matthieu, chapitre 5. Vous pouvez vérifier. Pour résumer, Jésus nous met en garde contre la tradition et la pensée humaine. Jésus exige qu'on connaisse les Écritures. Ce que je vous souhaite le plus ardemment, le plus sincèrement, c'est que vous puissiez aller là, dans votre tiroir ou près de votre chevet, là où vous lisez, près de votre bibliothèque, et que vous preniez, que vous dépoussiériez ce livre, la Bible, et que vous l'ouvriez, que vous puissiez lire ces passages que Dieu nous donne. C'est une nourriture. Jésus nous réfère constamment à la Bible. Même sa mort à la croix est basée sur les Écritures. Et pour la fin du 20e siècle, pour ce temps, pour cette époque dans laquelle nous vivons, c'est encore la Bible, la parole de Dieu. Demeurons attachés à la vérité des Saintes Écritures comme trouvée dans la Bible. La Bible dit, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Selon la Bible, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est ressuscité selon la parole de Dieu. Et selon la parole de Dieu, Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être que vous dites, Fernand, j'aimerais ça, moi aussi, avoir la certitude que vous avez de la vie éternelle. Comment puis-je avoir la certitude? Comment puis-je avoir l'assurance de mon salut? Je vous rappelle une parole du Seigneur Jésus-Christ qui a dit, pendant qu'il était sur la terre, « Je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Est-ce que vous avez la certitude que Jésus-Christ, présentement, est en train de vous préparer une place? Peut-être que ça vous affole, peut-être que ça vous désoriente d'entendre ces paroles. Peut-être que vous êtes comme une boussole qui perd le nord en entendant dire que Jésus est en train de vous préparer une place. Vous ignoriez peut-être que Jésus est en train de vous préparer une place. Ça vaut la peine de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et vous dites peut-être, je désire avoir la paix avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dois faire? Je vous demanderai en cet instant, là où vous êtes, de vous incliner et de dire, Seigneur Jésus, je désire avoir cette certitude, cette assurance de mon salut. Est-ce que c'est là votre désir? Est-ce que c'est sérieusement et sincèrement que vous désirez inviter Jésus-Christ au centre de votre vie? Est-ce que vous réalisez que tout ce que vous avez été, tout ce que vous êtes présentement ne vous a pas donné l'assurance et la certitude, ne vous a pas procuré la paix et que vous avez besoin de cette paix que Jésus seul peut vous procurer? Désirez-vous venir à lui? Aimeriez-vous que nous vous aidions à recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Si oui, je vous demanderai de composer le numéro de téléphone le plus près de votre région et de parler à ce conseiller ou à cette conseillère. N'ayez pas peur, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Dites, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais avoir la certitude de mon salut. J'aimerais demander au Seigneur Jésus-Christ de venir dans ma vie et d'être mon Sauveur et Seigneur. Est-ce que c'est là votre désir? Alors je vous demande sans hésiter de prendre ce téléphone et de composer et d'appeler sans délai immédiatement ce conseiller qui va vous aider et prier avec vous. Et je vous rappelle aussi que nous vous offrons cette brochure intitulée « Comment Dieu peut-il permettre cela? »
téléphonez maintenant. Et si ça vous gêne de téléphoner, vous pouvez écrire. Nous aurons une adresse à la fin de l'émission qui va paraître à l'écran. Notez-la et écrivez-nous. Mais pourquoi ne pas nous téléphoner tout de suite? Il y a aussi le Nouveau Testament, nous vous l'offrons. Il nous fait plaisir d'accueillir à l'émission Toute la Bible en parle, le trio composé de Jacques Whitney, Claude Charest et Réal Larac. Et maintenant, ils vont chanter « Ouvre mes yeux et... » Pourquoi ne pas ouvrir vos yeux maintenant? Ouvre mes yeux. Est-ce que c'est là votre prière de la grande région de Montréal, de la rive sud, d'un peu partout, de la région de Sorel, de Granby, Trois-Rivières, de la région du Saguenay, de la côte nord, Baie-Comeau, Haute-Rive, partout dans la province de Québec? Il y a des gens qui prient le Seigneur, ouvre mes yeux. Est-ce que vous êtes cette personne aujourd'hui, qui désirez ouvrir vos yeux au Seigneur Jésus-Christ? Vous pouvez entrer en contact avec nous en cet instant et dire, c'en est fait, ça fait assez longtemps
Je veux avoir la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu ne nous vient que par le Seigneur Jésus-Christ. Regardez les images qu'on nous présente dans les journaux, à la télévision, un peu partout, des images de la misère dans ce monde, l'homme sans Dieu. Mais Jésus est venu nous apporter la paix. Il a dit, « Je vous apporte la paix, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. » C'est une paix réelle, une paix qui dure. Au fin fond de votre âme, vous allez réaliser cette paix qui vient de Dieu, le jour où vous l'inviterez comme Sauveur et Seigneur. J'aimerais vous rappeler ce passage des Écritures qui dit, « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Quel grand privilège! Moi, je peux dire que j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas basé sur mes œuvres, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Je peux vous dire avec certitude et assurance que j'ai cette paix, que personne ne peut m'enlever. C'est la paix que seul Jésus peut donner. Eh bien, nous voulons remercier Jacques Whitney, Claude Charest, Réal Larocq, qui nous ont chanté ce beau cantique, « Ouvre mes yeux ». Et je dois vous rappeler, pour la dernière fois, au cours de notre émission, comment Dieu peut-il permettre cela? Une brochure de quelques pages, mais qui en disent très, très long. Vous pouvez la demander. Et si vous ne possédez pas le Nouveau Testament, vous pouvez aussi nous demander le Nouveau Testament, l'Évangile, les Épîtres, l'Apocalypse, dans le Petit Nouveau Testament, un format de poche. Et nous aurons le plaisir à nouveau la semaine prochaine d'accueillir à l'émission Toute la Bible en parle le trio de Granby, composé de Jacques Whitney, Claude Charest et Réal Larocq. Ils nous reviendront. Et nos invités seront M. et Mme Paul-Émile et Lise Bertrand d'Iberville. Ils nous raconteront comment ils ont consacré leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et depuis ce jour, ils sont au service des autres d'une façon vraiment différente. Eh bien, j'espère que cette émission a changé votre vie, qu'après l'avoir écoutée, vous n'êtes plus tout à fait comme au début de l'émission. Est-ce que l'émission vous a fait du bien? Est-ce qu'elle vous a choqué peut-être? Peut-être vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous voulez nous le dire? Nous appeler dès l'instant. Il y a encore quelqu'un là au téléphone qui sera heureux de vous répondre. Est-ce que l'émission vous a fait du bien? Dites-le nous. Est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ? Faites-le dès cet instant. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Ici Fernand Saint-Louis qui vous dit au revoir et à bientôt.